D'abord, mes voeux de bonne santé au chef de l'État, à tout son gouvernement, à toute la classe politique de notre pays. Que Dieu nous inspire pour que nos populations soient vraiment contentes de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Vous savez, l'année 2017 a été une année de réforme. Et comme le président de la République l'a toujours dit, un temps pour les réformes et un temps pour jouir des réformes. Et je pense qu'il a dit à la nation, devant la représentation nationale, que l'année 2018 serait une année de bonheur. Et je prie Dieu, les mains de nos ancêtres, qu'il puisse accompagner le chef de l'État pour que ses œuvres soient perçues et qu'il soit accompagné pour que son quinquennat soit le meilleur au monde. Mes voeux à nos populations, à nos mandants, et en particulier à la population de la troisième circonscription électorale, je leur souhaite les voeux les meilleurs et que leur accompagnement ne nous fasse pas défaut pour que nous puissions accomplir notre mission.